attendons PSA, je crois que les grands enjeux, c'est de développer l'activité, de développer le business, en étant dans la logique et dans les exigences de la COP21, qui a montré que, en fait, les sociétés attendaient autant des entreprises que des États et des gouvernements en matière de transition écologique. Et le deuxième enjeu, c'est un enjeu de transparence. Et si on ne le fait pas, le prix à payer est très lourd. Et puis nous attendons aussi d'avoir des véhicules connectés. Et puis bien sûr, nous souhaitons aller vers l'hybride, nous souhaitons aller vers l'électrique avec un objectif de 5000 véhicules dans les années qui viennent. La première responsabilité d'un dirigeant, c'est d'emmener son entreprise vers le succès et d'assurer dans le temps une relation pérenne. C'est ce que le groupe PSA Peugeot Citroën fait avec notre groupe depuis plusieurs décennies. À l'intérieur de cette RSE, il y a bien sûr l'éthique, la gouvernance, la transparence, livrer des produits sûrs et de qualité, fabriqués dans des conditions de sécurité des personnes, des biens et du respect de l'environnement. Nous avons fabriqué les premiers pare-chocs les plus légers, les premiers pare-chocs avec des matériaux totalement recyclés. Ils ont même reçu un prix pour cela. Et je crois que le respect, l'éthique des affaires, c'est un exemple de comportement vertueux. PSA et le secteur automobile en général traversent une période particulièrement sensible au cours de laquelle ils doivent gérer de front une transition énergétique et une transition digitale. La transition énergétique en particulier est un défi majeur face auquel tous les acteurs vont devoir s'adapter. L'enjeu principal consiste à relever ces défis tout en maintenant un haut niveau de performance et de réussite. Grâce à l'accord cadre mondial que nous avons signé avec PSA, je pense que nous nous sommes dotés collectivement des outils adéquats pour préparer l'avenir. Je crois qu'il y a vraiment deux enjeux qui semblent majeurs pour le secteur automobile aujourd'hui. C'est vraiment comment contribuer à une économie bas carbone et proposer des produits et des solutions innovantes qui permettent de répondre notamment aux enjeux de réduction des gaz à effet de serre. Et puis, me semble-t-il, dans les années à venir, il y a tout l'enjeu de travail de vigilance sur les droits de l'homme, sur la supply chain. Alors, je crois que les travaux en termes de création de valeur et puis surtout sur les risques associés aux enjeux RSE et les objectifs qui sont fixés en fonction de ça sur le long terme me semble vraiment un travail important qui a été mené par PSA. Et l'appropriation de ces enjeux par le COMEX est également un signal très positif parce que si le top management ne s'engage pas, l'entreprise ne peut pas aller plus loin non plus. En tant qu'acteur de la mobilité inclusive, pour moi, les principaux enjeux vont être notamment d'assurer l'égalité d'accès aux services de mobilité pour les publics les plus fragiles. Ça veut dire favoriser l'autonomie, la mobilité, l'apprentissage. Alors, on a une action qui a été soutenue par PSA, c'est le Mécanomade, un garage social itinérant qui va directement au domicile des personnes, qui est une vraie réponse sur un territoire rural pour assurer l'accès à l'emploi et à la formation. Pour nos structures de mobilité inclusive, la pérennité des actions est un défi majeur en travaillant peut-être sur une dimension plus régionale. La priorité est d'éliminer les émissions polluantes des véhicules en circulation et de minimiser les impacts du processus de production. Une transition complète vers des véhicules zéro émission d'ici 15 à 20 ans est essentielle pour faire face à la crise climatique imminente et à la pollution de l'air. Le nouveau défi est de s'assurer du comportement responsable de son approvisionnement pour éviter les dégradations environnementales et l'exploitation des communautés locales, comme il se peut lors de l'extraction de matières premières pour batteries.
L'initiative de PSA pour fournir des données réelles sur les émissions de ces véhicules est un exemple unique de transparence vis-à-vis de ses clients. Pour aller encore plus loin, le groupe doit viser d'atteindre le même niveau de transparence pour toute sa chaîne d'approvisionnement, dans le cadre de sa transition vers des véhicules zéro émission.